première des choses que j'aimerais vous dire, lorsque vous êtes dans un milieu où vous n'êtes pas apprécié, ne restez jamais. Lorsque vous êtes dans un milieu où vous êtes sous-estimé, ne restez jamais. Tu vas souffrir si tu restes là. Il faut faire comme Jephté. Jephté a fui. Il a refusé de rester là. Il s'enfuit. Il est allé très loin. Pourquoi il faut fuir? Parce que si tu ne fuis pas, tu vas faire beaucoup d'efforts pour plaire à ces personnes-là. C'est ça le rejet. En fait, quand tu es rejeté, la première des choses que tu cherches, c'est être accepté. Pour que tu sois accepté, tu ne feras pas ce que toi tu veux, mais tu feras ce qu'eux ils veulent pour qu'ils t'acceptent. C'est comme ça qu'il y a des gens. Vous avez balayé de maison des gens, vous avez lavé les assiettes, vous avez supporté leurs caprices juste pour le plaire. Ah, parce que si je ne fais pas ça, il va se fâcher. Il va se fâcher. Moi, je ne supporte pas le problème. C'est une grosse erreur. C'est comme le chantage. Le maître chanteur ne s'arrête jamais. Quand quelqu'un a tes photos, par exemple, ou quelqu'un qui a une information sur toi et qui te dit, si tu ne fais pas ça, je vais le publier. Dis-lui de publier. Parce qu'il va continuer à te faire la même chose toute ta vie. Il ne s'arrête jamais, le maître chanteur. Dès que tu auras un petit problème, si tu oses, tu verras. Alors, vas-y. Si tu ne le fais pas, allez, moi-même, pif, je publie. Et s'il y paie, amen. Comme ça, tu ne viens plus me faire chanter. Parce que le problème, c'est qu'avec les chanteurs, tu peux mourir même avant qu'on publie la chose. Quelqu'un me dit amen bien. Moi, il faut faire très attention à ce que je suis en train de vous dire. Ne cherchez jamais à plaire quelqu'un qui ne croit pas en vous. Tout ce que vous allez faire, il finira par trouver une faute. Il finira par trouver une erreur. Il finira par voir toujours qu'il y a une faute quelque part. Et vous savez, le comble, c'est quoi? C'est vous qui souffrirez encore. Et vous savez à quel moment on souffre? C'est lorsqu'on fait tout. Mais on n'apprécie pas cela dans sa juste valeur. Ça fait très mal. Après, tu te dis, après tout ce que je fais. Mais il n'accepte pas. Alors ne fais rien. Est-ce qu'il n'acceptera pas? Ne restez jamais dans l'environnement où tu n'es pas respecté. C'est quoi le respect? C'est la manière dont on te traite. C'est ça le respect. Ne restez jamais deuxièmement dans un environnement où tu n'es pas honoré. Regardez bien le Seigneur Jésus. Là où il n'a pas été honoré, il n'a pas fait de miracle. La Bible dit parce qu'il n'a pas été considéré, il ne fait aucun miracle dans cet endroit-là. Partout où tu n'es pas honoré, ton onction ne coulera pas. Dans une église où on t'invite, tu n'es pas respecté, même ton onction n'agira pas. Troisièmement, ne restez jamais dans un endroit où tu es toléré. Non, il faut refuser cela. Ne restez jamais dans un endroit où tu es à peine accepté, où on te salue comme un tchanana. On te salue au bout du doigt comme ça. Ah, tu es là. Ah, ok. Il ferme la porte, on arrive. Et on te laisse même pas à l'intérieur de la parcelle. D'ailleurs, ne reste jamais dans cet endroit-là. Parce que c'est toi qui souffriras. Plusieurs personnes ont une seule peur. La peur de ne pas être aimé. Autre personne, elle-même ne s'aime pas. La peur d'être aimé est un grand obstacle pour bâtir une grande destinée. Il faut s'aimer d'abord. Il faut avoir l'amour pour toi-même. Les gens vont t'aimer si toi-même tu t'aimes. Les gens vont te valoriser si toi-même tu te valorises. Et si tu ne t'aimes pas, tu chercheras l'amour. Tu vas demander de l'amour. Mais si toi-même tu t'aimes, tu n'as pas besoin des gens. Comme je suis là, même si tu ne me dis pas que je suis bien habillé, à ton avis, quand j'allais dans une boutique, j'ai pris le temps, j'ai essayé, avant de sortir chez moi, je me suis regardé dans le miroir. Mais là, ton approbation, qu'est-ce que ça va changer dans ma vie? Rien du tout. Faut que tu t'aimes toi-même. Vous savez, la méchanceté d'une seule personne, ça ne veut pas dire que Dieu aussi se fâche contre toi. Il y a 7 milliards et demi de personnes sur la terre. Mais la vie d'une personne ne changera rien. Est-ce que ça va changer s'il n'est pas d'accord? Est-ce que ça va changer s'il n'apprécie pas? L'essentiel, c'est que toi, tu dois apprécier. L'essentiel est que toi, tu dois être heureux. Ne mettez pas la dépendance de votre joie entre les mains des autres. Quand on sait que sa vie ne dépend pas des autres, on s'en fout de rejet des autres. Il a bossé sérieusement jusqu'à ce que ses frères sont revenus vers lui. Voici quelques vérités. Premièrement, vous devez savoir, vos origines ne déterminent nullement votre devenir. Ah oui? Qui me dit amen? Deuxièmement, je recommence. Premièrement, nos origines ne déterminent nullement notre devenir ou futur. Deuxièmement, d'où nous venons n'est pas aussi important que là où nous partons. Le Seigneur est né dans la maison des brebis, mais il a fini sa vie comme le roi de rois. Joseph est entré en Égypte comme un esclave, mais il est devenu la deuxième personnalité après le pharaon. Le problème, ce n'est pas d'où vous venez. Mon origine ne détermine pas d'où je vais. Troisièmement, la récompense dans la vie n'a jamais été donnée au départ. On ne récompense pas quelqu'un parce qu'il a bien commencé, mais toujours parce qu'il a bien fini. Dans toutes les disciplines qui existent, que ce soit la boxe, que ce soit le foot, peu importe, je ne sais pas moi, quel que soit le nom de sport, on ne peut que vous récompenser si vous avez bien fini. Alors si tu commences mal, ne sois pas découragé. Parce que même la Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui-là qui aura la couronne. Ce n'est pas au départ. La fin sera déterminante. Ce n'est pas aujourd'hui. Laissez-les aller. Laissez-les faire des choses. Mais on va se revoir dans 20 ans. Qui restera
encore dans la course. Quelqu'un me dit amen bien. Laissez-les aller vite, mais toi sois endurant. Dans la vie, tu n'as pas besoin de la vitesse, mais tu as besoin de l'endurance. Et rester ferme, de persévérer, de tenir ferme et dire que demain, ça sera meilleur. Laissez-les courir. Un jour, tu vas les trouver là-bas, ils sont essoufflés.